Ah mon dieu, nous avons été capturés! Traqué par les Beckers, Clancy se précipite dans le premier bâtiment ouvert. À l'intérieur, des mannequins glauques, des murs barbouillés de peinture blanche. Le repère du parfait psychopathe. Tu crois que tu as de la chance? Eh bien non! Salut les doudous, c'est Wolfie sur le Wolfie Game Party. On va se faire un petit DLC. Où suis-je? Oh la vache, c'est glauque! Donc, vidéo interdite, DLC numéro 2. Avec ça que j'avais envie de partager avec vous. Un petit jeu de cartes sympatoche. Avec le Lucas. Hey! Quoi? Oui, bah je te vois. Ben je te regarde, je fais que ça. Voilà. Quoi? Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Ah moi je suis prêt moi. I am ready. Un petit jeu tous les deux. Allez. Et celui qui gagne aura le droit de sortir de cette pièce vivante. Ah bah c'est bien, c'est sympa comme cadeau. Vous avez les cartes? Je suis sûr que oui. Ça tombe bien. Bah les cartes oui, c'est l'ambiance que j'aime moins quoi. Ici on n'use pas des jetons. Si vous voyez ce que je veux dire. Bah j'ai peur de comprendre. C'est qui le mec en face de moi là? T'es qui monsieur? Il a dit qu'il épargnerait le vainqueur. Oui. Qui es-tu? Vas-y, explique. Vous connaissez le blackjack, pas vrai? Pas bien. Je suis pas un gros joueur, moi. En essayant d'obtenir 21. Mais si vous dépassez 21, alors vous perdez. Ouais, c'est un 4-21, quoi. Donc ça veut dire quoi? Si on perd, il nous coupe une main, quoi. Salopard. Ah, on est encore avec Clancy, ok. Tire une carte ou reste avec ce que t'as déjà. Vise 21. Tu sais compter jusque-là? Ben oui, hein, quand même. Hein, le Wolfie, il a été à l'école. Hein. Alors là, on a combien? Donc 4 et 3, ça fait 7. Lui en face, il a 7 plus on sait pas quoi. Donc on est tous les deux à 7, la vérité. D'accord. Donc qu'est-ce que je fais? Rester, tirer une carte. Ah, je vais tirer une carte. Voilà, on est à 12. Hoffman, c'est qui celui-là? Les cartes sont numérotées de 1 à 11. Pas de double. Et vous partagez le même jeu. Ah d'accord, moi j'étais parti des cartes jusqu'à 6. Donc là on sait que c'est jusqu'à 11, ok. Alors 12 et 11, ouais d'accord. Ça ferait 21. Donc je peux retirer une carte au pire, même si je pète un 11. Ah bah non, là, si je pète un 11, on sera... Allez, je prends le risque. Ouf. On va rester calme. Hein. Celui, on sait pas ce qu'il a, donc... Avant qu'il ait un 5, mais... Vas-y. Ah, c'est stressant. C'est ouf. Mais alors... Ouais, c'est moi la gagnée. C'est moi la gagnée. C'est du délire. Tu peux pas faire ça. Aïe aïe aïe, il y a un doigt qui a sauté là. T'as vu le doigt, il a sauté, il a fait pouf. Ah la vache. Ça veut dire quoi? On fait 10 parties en fait. Et on a que 10 doigts, c'est pour ça. Le compte est bon. T'es sûr? Alors, 3, 5. Bah t'as perdu déjà, ça c'est sûr. Ouais, c'est pas mal ce petit truc là. Oui, donc je sais pas si j'ai eu le temps de le dire au début. On est sur le donc le deuxième DLC. Hein. Ouais, ça on est au courant, on connaît un petit peu. Pardon.
Donc on est sur le deuxième DLC, hein, les vidéos interdites 2. Bon, je vous avais déjà fait la cassette qui s'appelle Fille, avec un petit peu la vraie fin. Enfin, pas un petit peu, carrément. Qui marche bien, d'ailleurs, cette vidéo marche bien, je suis content. Merci à tous ceux qui ont été voir cette vidéo, là. Vous êtes plus de 200 et quelques, là. C'est sympa, c'est cool. C'est cool. Bon, ça fait un contraste, hein, parce que comment ? Je vais jouer, attendez, parce que je vous parle un petit peu là, tant qu'on est là. Sur mes vidéos de gameplay, bon, je fais 15-20 vues, quoi, mais même pas. Et sur ce DLC là, en 2-3 jours, j'ai fait 200 vues. Moi, j'étais content. Hein. Donc, ça prouve que ça vous intéresse ce que je fais. En plus, sur ce DLC, donc sur Fille, là, je parle pas dessus. C'était juste pour vous montrer un peu comment faire. Mais là, bon, là, c'est pour le fun. Hein, là. C'est juste parce que, tiens, je t'ai dit, tiens, je vais aller un petit peu faire un petit 4-21 là, avec Lucas, là, puis faire profiter les doudous, quoi. Toi, tranquille. Ah, d'accord, 9, bon. Je reste. Ah, c'est chaud parce que. Bon, les cartes. Aïe, 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 là, ça devient chaud, là. Oui, il hésite, là, tu vois, il se dit merde. Ah, parce que lui là il a 10. Ah, et à votre avis il a une grosse carte ou quoi? Moi ouais, je vais rester. Ok, montrez vos cartes, messieurs. C'est là, si je tire un 8 ou un 9. Ah merde. Oh merde. Ah non, l'enfoiré. Ah la vache. À deux doigts d'un coup, frère. Ah, donc faut pas faire d'égalité, d'accord. Faut être bon ou faut être pas. Faut être bon ou faut être bon. C'est, on a pas le choix. C'est pas cette main là, nananer Lucas. Enfin, je sais pas, hein. Clancy. Ce qu'il fait avec ses mains, mais. Il est peut-être gaucher ou je sais pas. Enfin, en même temps, hein. On s'en fout, tu me diras. 18, alors. Oh, je vais rester, hein. Là c'est chaud. Je peux pas prendre un peu de sirop à la menthe là, non? Non, je peux pas. Aïe! Oh le stress. Oh la vache, putain. Eh c'est chaud quand même hein. Désolé vieux. Ah ouais bah désolé hein. Ouais bah ouais. Ouais. J'espère que t'avais pas trop de bricolage à faire demain. Bon bah voilà. Je ne pense pas. C'est la règle du jeu. This is the game. On s'amuse encore un peu. Bah bien, on va pas s'arrêter là quand même. Ah l'autre il est pas bien là. Non, je dois retourner auprès de ma famille. Encore une partie. Bah allez, t'es joueur toi. Je sais pas qui c'est Hoffman. Je crois qu'on va faire une autre partie. Ma gueule. Fous ma gueule toi. J'aime bien parce que c'est fait, c'est un peu à l'assaut et tout quoi. Ça me donne envie. Arrête de parler en même temps que moi, Lucas. J'arrive hein, les deux. Ah la vache. Ah la vache, ça s'est remue les boulettes, hein, mon pote. Hein. Là, t'as les coucougnettes qui font 3 tours. Hein. Ouais, donc je disais, depuis que je joue à Resident Evil 7, putain, il est chiant. Hein. C'est bon? Non. Le courant augmente à chaque fois que vous perdez. Ah bah c'est une bonne nouvelle ça. Cette fois, Lucas, regardez ici. À pleine puissance, ce sera le véritable coup de foudre. Que quelqu'un me sorte de cette maison de fou. Vous savez quoi? Je crois qu'il est temps de pimenter un peu la carte. Alors, tant que cette carte est sur la table, la mise de votre adversaire augmente de 2. D'accord. Vous tirez la carte 6. Si elle n'est plus dans le sabot, rien ne se passera. J'ai rien compris. Vous voyez ces cartes? Celles-là sont spéciales. Quand ça va mal, vous pouvez en utiliser une pour retourner la situation. D'accord. «
Alors attends, oui, donc je disais, avant que l'autre il me coupe la parole 15 fois, là, que depuis que je joue au Resident Evil, là, le 7, là, le Biohazard, ça me donne envie de me remettre dans les sauts, là. Tu sais, les films là, avec Jigsaw, machin, les films d'horreur, enfin d'horreur. Ouais, enfin si, les deux premiers, quoi. Et ouais, ça me donne envie de me les remater. Je me les referais peut-être, je les ai en Blu-ray en plus. T'es le mec qui raconte sa vie. Ouais, alors moi je les ai achetés à Leclerc, tout ça. Mais... Non, mais ferme ta gueule, Wolf, y'en a la faute, joue, bordel! Non, enfin, pour vous dire que voilà, tu sais, ça me donne envie de regarder les sauts. Parce que c'est vrai qu'on est, on est dedans, quoi. C'est carrément ça en jeu vidéo, quoi. Ils avaient sorti un saut d'ailleurs en jeu sur PS3 que j'avais essayé, j'avais trouvé pourri. Mais là. Bon, alors. Voir les atouts sur la table. Il n'y a pas d'atout, on en a pas mis encore. Utiliser un atout. Donc là, on est à 12. On va tirer une carte. On va voir ce qui se passe. Là, on est à 18, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Donc 8, lui, il a 8 plus quelque chose. Alors, attends. Alors, tant que cette carte est sur la table, la mise de votre adversaire augmente de 2. Vous tirez la carte 6, il n'y a plus dans le sabord, rien ne se passera. J'ai envie d'essayer ça, moi. Désolé, vieux. Hein. Mais il faut ce qu'il faut. Je vais rester. Je reste. Ah bah... T'es sûr? Ah, j'ai une petite boule au ventre. Wouh! Allez, mange. Ah, puis je lui ai rajouté deux de machin. En plus. Ah, blablabla. Ah, la vache. J'aimerais bien avoir la tête kilo. À un moment donné, à mon avis, le sac il va tomber. À un moment donné, c'est sûr. Pour nous foutre une petite trouille, tu sais. Vous tirez la carte 5. Si elle n'est plus dans le sabot, rien ne se passera. Ok. Alors, 6 et 7, ok, ça fait 13. Vas-y. 12. Sauf que lui, c'est 12 plus quelque chose. Alors que moi, je suis à 13. Ah bah, t'es sympa, toi. Parce que moi, je peux crever, quoi. Moi, si j'ai une petite amie et puis, ou un petit copain ou machin, t'en as rien à foutre, hein. Bon, Clancy, on connaît pas trop son histoire, mais. Qu'est-ce que je fais? Je prends le risque. Allez. La carte 6 n'est plus dans le machin. Bon allez, je vais rester voir ce que l'autre il va faire. On va bien voir. Hein. Peut-être il va... Alors, renvoie au sabot la dernière carte visible tirée par votre adversaire. Ah merde, il m'a mis un atout dans la gueule. Bâtard. Bon, on va tirer une carte, on verra bien, on n'a plus rien à perdre. Là. Renvoie le sabot, rien que vous avez tiré. Il a eu de la chance. Je prendrais bien un petit 6 là, mais. Renvoie au sabot la dernière carte visible que vous avez tirée. On essaye ça, là, voir. Ouais, je vais rester parce que je le sens pas là. Il sait plus quoi faire du coup, là. Ouais, c'est pas moi là. C'est pas moi, c'est pas moi. Ouais, voilà. Ah, j'en étais sûr. Ah, la vache. Oh, je vais m'en prendre une. Il avait pas du bien. J'ai mal pour lui. C'est moi qui parle ou c'est lui, là? Retrait, ok. Alors, lui, il y a ses doigts qui se baladent encore, t'as vu, sur la table. Alors, 17, 21, machin, lui, il est à 5, machin, nana. Renvoie dans sa boule la dernière carte visible tirée par votre adversaire. Ouais, bon, on va attendre un peu, je vais rester. Alors, par contre...
Allez, dégage. Je vais rester. Désolé, vieux. Putain. Oh non, je prends pas le risque, hein. Je vais déjà 17. Qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? Ah, oh, je l'ai pas bien. Ah, j'aime pas quand il fait ça, j'ai le stress. Ça me fout les boules. Puis je suis à 5 en plus. Et lui à 3. Ah, oh, putain, le bâtard. Ah. Eh, blé. Ah, ça doit pas faire du bien, mon frère. Allez, c'est bon, on arrête maintenant. Loser, c'est toi, ouais. Ah, là, je suis pas bien, là. Renvoie au sabot la dernière carte visible que vous avez tirée. Oh, je suis pas bien, les doudous. Alors, 12, lui, il est à 1, merde. Il réfléchit, mais... Tu me baisses pas la gueule, quoi. Tu seras gentil. Alors, qu'est-ce qu'on a comme atout? Atoutou. Renvoie au sabot la dernière carte visible que vous avez tirée. Renvoie... Ah, c'est les mêmes. Allez. Fais gaffe, hein. Vous tirez la carte 3, si elle n'est plus en sabre, rien ne se passera. Ça va. Aïe. Bon, il est à plus de 21 là, c'est sûr. C'est pas un 3 qu'il a. Ah, s'il a un 3, j'ai pas de bol, hein. Allez, allez. Oh, la vache, le bol. Bon, on est ex-écho là, les gars. Ah, blablabla, j'adore là. Blablabla. À l'aide, bah, tu, comment veux-tu que je t'aide? Il peut pas. Bon, faut que je gagne la prochaine, les gars, sinon on est pas bien. Alors, on vous s'abonne à. Ouais, d'accord. Oula, 12. 12. Allez. Ok. Ouf. Ouais, je crois que je vais pas bouger de là parce que. Ah putain. Désolé, vieux, hein, mais il faut ce qu'il faut. C'est chaud. Ah merde! Ah putain! Ouais, mais on est morts tous les deux alors là, ça veut dire. Ah bah voilà! Ah la vache, ça fume! Ah putain! Oh, c'est chaud de night, eh. Moi j'aimerais bien voir ce qu'il y a après, moi. On s'en refait une, les gars? Allez! Je pense qu'on va reprendre ici. De toute façon, voilà, deuxième. Atout, les bases. La carte retrait peut ruiner la main de votre adversaire. Moi, ça j'avais compris. Ok, je suis pas complètement con. Ouais, ça va, on reprend là. Bon, on va essayer de la jouer fine. Alors. Ouf. Bah, tu dis juste carte, hein, c'est bon. Putain. Je vais rester. Allez, donne-moi une carte, toi. Non, pas moi. Non, moi, je reste comme ça, t'es fou. Il est à 22, de toute façon, il a perdu. Je reste. Bah, de toute façon, t'as plus de 21, ça y est, c'est mort. Enfin, je pense, hein. Ah, c'est stressant, ça. Ah, il était déjà à 22, de toute façon. Je rigole, mais ça doit pas faire du bien. Bon. En fait, là, tout machin, faut que je le mette si je suis sûr de gagner, quoi. Ça, ok. Alors, 7
et 11. Ok, ça fait 18. On est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Rentre chez moi, j'ai une famille. Alors, meurs, ok ? Je t'en supplie. Non, Polo, non. Je vais te mettre ça, puis tu vas voir ce qui va se passer. Oh merde ! Oh le bâtard ! Il m'a niqué. Ah bah tu vois. Un coup pour rien mon pote. Ah bah. Bon ça va, on est bien, on est bien. Je vais rester. Bah je crois hein, je suppose les doudous hein. Vous en pensez quoi? Je suppose qu'on est pas mal. À moins qu'il ait un. Qu'il ait un 6. Oh. Bah c'est mal barré. Désolé Hoffman. Parce que j'aimerais bien voir ce qu'il y a après en fait. Essayez d'avancer le plus possible, de voir tous les. Tous les pièges quoi. Renvoie le sabot là, ok. Alors 11 et 8. Oh la vache. Et là on est déjà à 19 les doudous. Ça pue du buc. Ouais. 16, sachant que s'il a un. Ouais. S'il a un 5 ou. Moins de 5, c'est jouable. On a quoi là? Bon, attends, on va voir ce qu'il va faire. Merde. Oh, c'est stressant les doudous, je vous jure. Oh merde. Ah le bâtard. Mais comment ça se fait? Aïe 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 aïe. J'aime bien à la fin le. Ils sont morts de rire ces abrutis, c'est pas drôle. Bon allez. On va y arriver les gars. Renvoie au sabot la dernière carte visible que vous avez tirée, ok. Ah bah 4-21, j'ai gagné, c'est bon. Non, je déconne. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu dis, gros? 9. Ouais. Oh le patin. Bah en même temps il a pas un 2 là, c'est pas possible. Ça m'étonnerait qu'il ait un 2 le pépère. Hein. Je vais rester. Ah s'il a un 2, j'ai pas de bol. Hein. Je reste. Quoique c'est celui qui se rapproche le plus du 21 ou. Oui. Je l'ai dans le cul. Non c'est bon. C'est pas celui qui se rapproche le plus. Ah blé 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 blé. Bon, encore un coup pour lui et c'est mort. Hein. Bon ça va, j'ai encore de l'avance. Ok. Bon j'espère que ça vous plaît les doudous. Ouais c'est sympa, c'est marrant quoi. C'est rigolo comme ça vous stressez avec moi et tout, c'est marrant. Ils se font à la gueule. Alors, enfin se font à la gueule. Ouais t'as que des jeux comme ça toi Luffy, bah oui. Allez. Wow, t'es un vénard, Clancy. Tu gagnes le tout. Ah bah c'est. Ça c'est du bol ou pas? Donne-moi une carte. Et l'autre il pleure. Donne-moi une carte. Qu'est-ce qu'on va lui mettre à ce con-là? Allez, désolé gros. Me mets pas une saloperie. Hein. C'est vrai, s'il met une saloperie, je l'ai dans le bobo là. Ah, s'il va me mettre une saloperie ce con là.
Ah, il va me faire un coup de pute, je le sens. Je reste. Ah bah c'est moi, c'est bon. Normalement c'est moi. Ah bah oui quand même. Désolé vieux. Enfin, comme ça on va voir ce qu'il y a après, c'est cool. Ah j'ai mal pour lui, tu sais. Tu sais limite tu t'en veux presque, tu sais, tu te dis oh merde, je suis un connard. Blablabla. Désolé vieux. Bon qu'est-ce qu'il y a après? On continue? Il est mort. C'est bon, t'as eu ce que tu voulais. Alors dis-moi que c'est fini. Ok Clancy, t'as gagné à la loyale. Ah. Oh. Ça alors c'est dingue. Regarde Hoffman. Il a eu un spasme, tu sais. Oh, Putain, c'est Jason Voorhees, le mec. Putain, Hoffman, toi t'es un champion. À sa demande, on va faire une autre partie. Putain, oh, c'est bon, il est mort, là. C'est quoi ton problème? T'as même promis de me laisser partir. Bah, je vais jouer avec qui? Il est cané, là. Oh, il est mort, là, c'est sûr. Oh putain. Ouais bah j'étais curieux de voir ce qu'il y avait après. Mais ça y est maintenant je suis calmé. Ah d'accord. D'accord. Ouais donc faut que ça aille au milieu à 7 alors. Ouais voilà. Ah oh, je suis pas con t'as vu. Ah ouais bah tu parles d'un massage toi. Massage des gencives, toi, le truc de fou. Ah oui, d'accord, il a pris la place de... Ah, c'est pas mal fait, il a pris la place, en fait, de Hoffman, qui est mort, hein, du coup. En faisant croire... Enfin, en faisant le marionnettiste, quoi. Enfin, bref, vous voyez, quoi, vous êtes pas débiles, hein, les doudous. Hein. Alors, 8, 9, 10, 11. Qu'est-ce que je fais? Aïe. Ah il va tout faire pour que je paume ce qu'on l'a. 15. On va faire ça. Je vais rester. Ouais, bah voilà j'allais dire fais gaffe quand même parce que... Bon bah du coup voilà c'est bon. Tant que cette carte est sur la table, la plus proche de 24 l'emporte. Ah merde bah c'est lui alors du coup là. Ah merde. Ah bah oui tu m'étonnes. Putain il m'a baisé la gueule. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Putain je prends le risque ou pas? Parce que là c'est lui carrément hein. Eh merde! Putain. Attends, j'ai pas un atout là qui vire ma carte. Ah putain. Ah merde! Ah oh, putain. Ah oh, fais chier. Ah oh, j'ai plus d'atout là pour virer le... Ah oh, j'ai fait le con putain. Bon. Ah oh, c'est mort. Ah oh, j'ai joué au con là. Hoffman. Bah oui hein, forcément. Non 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 non. Bah comme ça on verra ce que ça fait quoi. Bah ça fait rien. Ah oui. Pour l'instant on n'est pas... D'accord. Votre adversaire tire la meilleure carte du sabot. Alors c'est quoi la meilleure carte? Qu'est-ce qu'il appelle la meilleure carte? Et c'est pas moi.
Arrête de penser qu'à toi et crève, bordel. Ouais, mais non. Pas de suite. Alors, tu me donnes pas 11? Ouais, voilà. Donne-moi une carte. Qu'est-ce qu'il m'a mis, lui? Putain. Je vais rester. Oh, j'ai pas envie de... Si t'as vu tout à l'heure, j'étais pas à beaucoup. Voilà, c'est moi, là. Allez, c'est moi, là. Allez. Allez. Ah. Ça fait plaisir. Bon, ça va. Ah, on n'est pas revenu à 7, 7. Ah, je pensais. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai Hatchoum. Renvoie au sabot la dernière carte visible que vous avez tirée. Allez, fais péter, fais péter. 21, bah écoute, j'ai envie de te dire, je vais rester comme ça. Pour une fois que j'ai du bol. Ah, bien joué, tu m'as feinté, coquine. Eh ben, tire. Enfin, je tire. Ouais. Putain, c'est chaud, les gars. Ouah, le bol. Allez, c'est moi là, c'est bon là. C'est bon. Allez. Putain, c'est chaud, je te jure, je suis à fond dedans. Ah putain. Oh, je le vois de près là, le bordel, et j'aime pas ça. Ok. Bah si, si, on espère toujours. Par contre, ah, j'aime pas avoir des cartes comme ça parce que du coup là, tu sais pas trop si tu dois prendre ou. C'est rien moi. Je vais rester. Oh, le salopard. Il doit pas en avoir 50 des machins là. Oh putain, il est chiant lui. On verra. Là c'est qui tout double hein. J'ai peur. J'ai peur. Oh putain, mais pourquoi il met un œuf là? C'est pas un œuf que j'avais. Oh là 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 là. Ah bla 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 bla. Oh la vache. Bon, amenez-moi un miroir que je vois la tête que j'ai là parce que. Putain, c'est casse-couille hein. J'ai perdu. J'ai perdu. Mais bon allez doudou, on va se laisser là-dessus. Et puis bah on retentera l'expérience dans un jour ou deux. Ouais, c'est chaud quand même. Ouais non, ça va être un peu long là. Ouais, donc je vais vous laisser là-dessus puis je réessayerai. On réessayera, je reprendrai, bah je pense que je pourrais reprendre d'ici. Et puis on réessayera ça pour essayer d'aller le plus loin possible quoi.
voyez, on se fait un espèce de petit run scoring sur ce 4-21 là. Donc je rappelle hein, pour ceux qui n'ont pas capté. Ah, il est chiant de parler en même temps que moi lui. Voilà, on va mettre en pause. Oui, donc je répète pour ceux qui n'auraient pas suivi depuis le début, en fait on est bien sur donc là le deuxième DLC, donc payant. À moins que vous ayez le Season Pass hein, qui coûte je crois 29€ et quelques, 30€ on va dire. Parce que ce deuxième DLC est payant. Alors je sais, on va pas faire le débat de l'arnaque des DLC machin. Je sais que ouais c'est carrément abusé parce que le premier DLC était gratuit. Sur ce Resident Evil 7 avec à peu près le même contenu et là ils nous font raquer 15€ pour pas grand chose de plus. C'est un peu de l'arnaque, mais enfin ça c'est la loi des, enfin c'est le débat l'éternel débat sur les DLC hein. C'est bien, c'est pas bien, c'est de l'arnaque, c'est pas de l'arnaque. On va pas avoir ce débat là ensemble aujourd'hui, mais donc voilà, sachez que le deuxième DLC, donc celui qui contient ce mini-jeu qu'on vient de faire ensemble, le 4-21, est payant à hauteur de 14€ et quelques. 15€ quoi on va dire. Et voilà. Donc je vous laisse et puis on réessayera donc ouais de essayer de continuer là-dessus. Parce que j'aimerais bien moi voir ce qu'il y a après, machin, si vraiment on arrive à se barrer ou si. Vous voyez, tout ce genre de choses, quoi. Et puis dites-moi dans les commentaires, pareil, si vous voulez qu'on fasse les autres, un petit peu les trucs de survie et tout là, qu'il y a dans le DLC 1 et puis également dans celui-ci. Voilà, allez, je vous embrasse. À ciao les doudous.